Les quatre malins. J'étais un âne qui transportait du blé au moulin du matin au soir. Je suis un âne qui s'habille de jour en jour parce que je suis trop vieux. Je serai musicien de brême, je jouerai de la lutte. J'étais un chien de chasse, je suis vieux, je jouerai avec l'âne, je jouerai du tambour. Je suis un chat âgé qui dort près du poêle, je serai musicien de brême. J'étais perché et je chantais haut et fort. Je suis un coq vieux. Je serai musicien à brême et j'aurai une voix puissante. Je vois une grande table couverte de nourriture qui sont de la salade, du maïs, du café, des pâtes. Les gens de la table sont très inquiétants. Je vois un os avec un peu de viande qui me fait envie. Il y a un brigand chauve et un brigand nain et un brigand avec les cheveux en brosse et un brigand avec une doudoune jaune. Il y a un ballon de foot qui me donne envie de jouer avec. Je vois du lait sur le frigo et j'aimerais bien dormir près de la cendre encore chaude. Mais cela sera difficile car il y a des brigands. Je vois un bol de graines. J'ai froid, j'ai faim et j'ai envie de rentrer pour dormir. J'aimerais rentrer pour les faire fuir pour manger et dormir. À table. Je mange des grains et du maïs bien grillés. Je mange des carottes et de la salade avec de la vinaigrette. Moi, je mangerai de la viande et du lait bien frais. Je vais manger un os de poulet, puis je vais m'endormir tout en réfléchissant à ce que je vais jouer. Coq, peux-tu me servir un café, s'il te plaît? Bien sûr, mon ami. Moi, je voudrais bien un Happy Meal. Tu crois vraiment qu'ils vont t'accepter au McDo? Je voudrais acheter une nouvelle guitare électrique car la mienne est cassée. Mais comment on va s'acheter ça? On n'a même pas d'argent. Cocorico, j'ai trouvé un porte-monnaie. Combien y a-t-il d'argent à l'intérieur? Il y a 1 million de francs. Yes, on pourra acheter des instruments. Je suis arrivée dans la maison. Il y a eu un animal qui m'a griffé. J'ai pris un coup dans le dos. On m'a mordu et m'a piqué. Vas-y, Bertrand. T'es un enfant. N'aie pas peur parce que t'es un voleur. Nicolas, à ton retour, tu auras du chocolat. Nous allons gagner les doigts dans le nez. Bim, bam, boum, bang. Wouf, crack. Boum, bim, bam, bang. Boum, bam, bang, bam, crack. Je lui donnais un coup de sabot. Bang! Je l'ai mordu et il... Bam! Il tombe par terre. Et là, le coca... J'ai foncé tout droit sur le brigand en criant « Cocorico !» Et il a fait... Il a trop peur. On les jette dehors. Et on les fait sortir. Où voulez-vous dormir ce soir? Moi, je veux dormir dehors, à côté du potager. Derrière la porte. Je voudrais dormir sur le toit. Et moi, je voudrais dormir près du poêle, avec de la cendre encore chaude. On ferait mieux d'aller se coucher. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.
Création réalisée d'après le conte Les musiciens de Brême des frères Grimm. Une production de la classe à double niveau de CE2-CM1, école François Bessou du Rove. Nathan Ferrato, Julia Desmers, Léana Petrono, Laura Vol, Guy Morgan, Léa Evesard, Roi Solaire, Mathis Jaboc, Lily Abran, Raphaël Ribaud, Noah Kadri, Lily Caillé, Ruben Almiro, Anna Pourteau, Guéry Binaïl, Joanne Segura, Lénie Petras, Tanita Féer, Lucie Cusset, Mathis Groyer, Morgane Angélidis, Benjamin Nolo, Naël Lida, Maxime Taillefer, Laura Zaidi. Avec David Guevara, professeur des écoles, et Gaëlle Gamblin, directrice de la médiathèque René Blanc du Rove, un projet proposé et mené par l'association Calopsite dans le cadre des ateliers EAC de l'événement métropolitain Lecture par Nature 2020. Encadrement pour l'écriture, Marie Chénet et Nicolas Tardy. Encadrement et montage pour la création sonore, Isota Trastevere.